Vous faites des mémoriaux avec les prénoms en grand des 100, 150 femmes tuées chaque année par leur conjoint ou ex-conjoint. Et c'est un lieu de recueillement temporaire avec des bougies, des fleurs. Pour moi, les mémoriaux, c'est effectivement un moment très fort et très dur à la fois. Il y a une fille qui, une petite fille, elle devait avoir 12 ans, quelque chose comme ça, qui passait avec ses parents et en fait, qui est venue nous voir et nous a demandé si elle pouvait aussi faire un collage. Et donc, on lui a donné un seau, une brosse et un petit collage qui était aimé différent de tuer. Le père est resté en retrait de l'autre côté du trottoir et elle et sa mère, elles sont allées coller juste à côté du mémorial. Et donc, il y avait la mère qui passait des feuilles à la petite fille et elle collait. Et je me suis dit, bah, ça, c'est vraiment ce qu'on veut réussir à faire, en fait, parce que c'est la transmission, c'est la sensibilisation, c'est quelqu'un qui s'arrête et qui se dit, bah, je vais participer moi aussi. Et ce jour-là, il y a une colleuse qui était à côté de moi qui m'a dit, bah, tu vois, ça, c'est la relève. Et je me suis vraiment dit, bah oui, ça, c'est vraiment la relève.